vous allez réaliser une injection simple de chimiothérapie par voie intrathécale. Avant d'entrer dans la chambre du patient, il est nécessaire que votre matériel soit prêt et que la chimiothérapie soit vérifiée par une double vérification par le binôme médecin-infirmière. Vous préparez donc pour le geste un plateau stérile, un champ stérile, une aiguille à ponction lombaire de taille adaptée, la chimiothérapie, deux paquets de compresses stériles, de la chlorhexidine, deux tubes de prélèvement de LCR, un pansement, la boîte à aiguilles, les étiquettes, ainsi que les bons de prescription. Avec la prescription médicale et la chimiothérapie étiquetée, vérifiez la concordance de l'identité, nom, prénom et date de naissance, du nom et de la posologie de la chimiothérapie, sa date de péremption et le mode de conservation. N'oubliez pas de vous assurer du bon taux de plaquettes. Pour vérifier la chimio, alors, D6, métaux IT 15 mg, métaux IT 15 mg, le premier, sasperime le 3, ok, double check le nom de l'interne, avec celui du nom de l'infirmière. La reflux contrôlé, présent, IT, plaquette à 101 000. Plaquette à 101 000. Voilà, c'est bon. Dans la chambre, vous aurez besoin d'une ou deux personnes pour tenir l'enfant bien installé et préparé. L'une d'elles pouvant utiliser la distraction, l'hypnose ou installer le méopa, et d'une personne pour recueillir le LCR avec les tubes. En cas de prémédication par kétamine, deux personnes supplémentaires seront nécessaires comme vous le verrez dans la vidéo suivante. Toutes les personnes qui réalisent ou accompagnent le geste doivent porter une surblouse, un masque et une charlotte. L'enfant doit être prémédiqué et installé confortablement. Le lit est à votre hauteur. Vous devez être à l'aise pour que le geste soit réussi. À tout moment, la position de l'enfant doit être vérifiée. L'EMLA est retiré avant l'installation du champ. N'hésitez pas à repositionner l'enfant pour qu'il soit aussi courbé que possible dans l'axe. Une première prise de repère est possible avant l'installation du médecin en stérile. Le médecin qui manipule la chimiothérapie porte des gants de nitrile. Pour le geste en conditions stériles, le médecin ajoute une paire de gants stériles sur ses gants de nitrile.
Le champ posé derrière le patient permettra l'installation dans l'ordre d'usage de son matériel afin de réaliser son geste dans de bonnes conditions. Un tas de compresses est imbibé de chlorhexidine, l'autre est sec. La chimiothérapie est vérifiée. Vous pouvez en retirer le bouchon, qu'elle soit prête à injecter. Désinfectez la zone du point de ponction. Désinfectez les crêtes iliaques si votre repère n'a pas été pris préalablement. Prenez votre repère grâce aux deux crêtes iliaques et aux épineuses. Ponctionnez immédiatement au-dessus de l'épineuse jusqu'à passer le ligament jaune. Recueillez 10 gouttes de LCR dans deux tubes déjà étiquetés et numérotés en respectant l'ordre de ceux-ci. Replacez si nécessaire le guide entre chaque tube. Le LCR doit être couleur eau de roche. C'est bien le deuxième tube qui servira à l'analyse hématologique de manière à ce qu'un liquide légèrement hématique se soit éclairci de la contamination sanguine pour le compte des cellules. Injectez la chimiothérapie lentement. Vous pouvez aspirer et réinjecter la fin pour que le maximum de produits soit administré. Avoir débouchonné la chimiothérapie par avance vous aura facilité l'injection. Retirez l'aiguille en laissant la seringue adaptée. Veillez à utiliser une compresse sèche, non souillé par de la chimiothérapie, puis mettez le pansement. L'enfant peut alors s'allonger. Vous devez maintenant envoyer le LCR pour une analyse bactériologique et hématologique. C'est le tube numéro 1 qui ira en bactériologie. Sur le bon d'envoi, renseignez le nom du prescripteur et du préleveur, la date et l'heure, et le type de prélèvement et son indication. Il s'agit ici d'une leucémie non neuroméningée et d'un prélèvement de LCR pour une intrathécale. Pour le deuxième tube, sur le bon d'hématologie, renseignez les mêmes informations et détaillez les renseignements cliniques. Le motif de prélèvement et son avancée dans le traitement,
la pathologie et l'atteinte neuroméningée initiale ou non.